Docteur Blessen, c'est un plaisir de vous recevoir sur les plateaux de l'ONDJ TV pour notre nouvelle émission « Que faire ?». C'est une émission de réflexion politique pour l'action, dans le sens où les gens en ont marre d'écouter et ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et donc, entrant directement dans le vif du sujet, dans quelques jours, les élections, un renouvellement des élites politiques à tous les niveaux, à tous les échelons, local, régional, national. Parallèlement, il y a le silence des élites, les élites intellectuelles. On ne les entend pas. Normalement, c'est le moment où on les entend le plus. Par ailleurs, les élites économiques, on a l'impression qu'elles n'ont pas envie de jouer le jeu. Elles revendiquent beaucoup, mais ne participent pas, ou peu. À votre avis, comment faire avancer un attelage dans la bonne direction quand les chevaux tirent à U et à Dia? D'abord, je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être avec vous, puisque je vous connais depuis assez longtemps, ne serait-ce que par vos écrits, et depuis peu directement. J'aime beaucoup le concept de l'émission et son titre. Le que faire, c'est un questionnement, donc c'est une réflexion, mais réflexion sur l'action possible. Et donc j'espère que je vais pouvoir réussir cet exercice de partager avec vous mes réflexions sur le sujet. Alors, nos élites politiques sont ce qu'elles sont. C'est le résultat, des décennies, des 3-4 dernières décennies d'évolution. Pendant ces 4 décennies, on a eu des évolutions différentes en dents de scie, au niveau de la participation de l'élite politique à l'action. Donc, nos élites ont beaucoup analysé, mais n'ont pas posé la question que vous posez du que faire, de l'action. Donc, on a beaucoup d'écrits importants de sociologues, de philosophes, de penseurs de tous bords, mais le passage à l'action de la part de nos élites a été très limité. Alors, est-ce que les structures politiques n'ont pas pu accueillir les élites, ou bien ce sont les élites politiques qui ont snobé la vie politique? À votre avis, il y a un peu de tout. Enfin, puisqu'on est dans la réflexion, il ne faut pas être dans les réponses trop tout à fait blanc, tout noir. Non, il y a des élites qui ont, enfin, si on revient un petit peu plus dans l'histoire, c'est les élites politiques qui ont les élites intellectuelles qui ont mené le mouvement national, on ne peut pas le nier. Pendant les années, d'autres, pendant cette évolution, on a eu des élites politiques qui ont travaillé pour la démocratie, pour la liberté. Dans nos partis, on avait plus d'élites politiques qui étaient là. Il y avait des penseurs dans les partis, les partis travaillaient sur ça, les syndicats aussi. C'est le cas. Ouais. On le ressent beaucoup moins maintenant. Ce phénomène nouveau, est-ce qu'on a abandonné la pensée ou est-ce qu'on a abandonné la pensée politique? Ou bien on pense d'un côté et on agit politiquement de l'autre? Moi, je pense qu'il commence à se creuser, surtout cette dernière décennie. Il commençait à se creuser un fossé entre l'intellectuel et le politique. Je crois que ce fossé est dû, un projet de pensée unique qui était en train de s'installer et qu'il est temps de faire bouger, de faire réfléchir aussi. Pendant des années, au Maroc, on n'avait que... Enfin, au Maroc, même dans le monde, pour voir dans le monde... Il n'y avait que le libéralisme comme option. Et que la fin de l'histoire, Fukuyama. La fin de l'histoire. Et puis, il s'est installé au Maroc un concept d'inutilité de la politique. On a encouragé la société à oublier que c'est le politique qui fait changer la vie. Or, il n'y a pas d'autre moyen de changer notre vie que la politique. Et donc, la politique mérite réflexion,
et mérite le passage de la réflexion à l'action. Et dans ce process, l'élite a un rôle à jouer. Mais ce rôle, elle ne peut le jouer qu'en étant présente dans l'action politique, pas seulement dans la réflexion. Pour beaucoup de peuples... Ce divorce, jusqu'à quel point où peut-on aller avec ça? On ne peut aller nulle part comme ça. Si les penseurs sont d'un côté, l'élite politique qui est de l'autre, l'élite économique qui se sent littéralement, mais alors pas du tout concernée, est-ce qu'on peut avancer de cette manière? Je ne voudrais pas être dans ce discours de dire que toutes nos élites ne font rien, les élites économiques sont absentes. Les élites politiques. Non. Elles sont absentes du champ politique, j'entends. Enfin, partiellement, présentes, pas suffisamment présentes. Voilà. Je préfère dire ça. Normalement, la politique, c'est là où c'est le champ où s'expriment les différents groupes d'intérêt. Normalement, nos élites économiques devraient être hyper présentes sur le champ politique pour défendre leurs intérêts. Oui. Ne serait-ce que ça. Oui, je peux me permettre de dire qu'une élite n'est élite et que si elle opte pour une façon de diriger la société, d'une manière ou d'une autre, dans sa façon, la société dans sa façon de réfléchir, mais aussi dans son action politique. Dans sa façon d'agir. Dans sa façon d'agir. Et il faut que nos élites soient d'abord conscientes de leurs intérêts. Lorsqu'elles sont conscientes de leurs intérêts, elles sont dans le débat politique, elles sont dans l'action politique. Donc c'est pour ça que j'ai écrit il n'y a pas longtemps que pour ces élections à venir, puisqu'il faut lier la chose à l'actualité, il faudrait que nos élites que le peuple comprenne, que les élites aussi comprennent, qu'il s'agit du Maroc qu'on veut fabriquer pour les années à venir et qu'il en va des intérêts de tout le monde, du Maroc en tant que nation, en tant que pays, mais aussi de chaque Marocain. Et c'est pour ça que je dis que la démission d'une partie de l'élite, parce que je crois qu'il y a une partie qui est déjà dans l'action politique, la démission d'une partie de l'élite ne peut être qu'un mauvais signe. Et je crois... Pour que cette élite se sente concernée, il faudrait que le débat amène des clivages clairs entre ce que les uns et les autres veulent. Et pour moi, ce clivage n'est pas à imaginer, il est là. On a dans les discours politiques ces derniers jours deux grandes écoles, que je peux schématiser comme ça. Une école ultralibérale qui veut continuer sur ce que fait la majorité, ce qu'a fait cette majorité depuis 10 ans. Continuer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ans? Plus on de libéralisme. On va revenir sur le sujet. Je voudrais d'abord clore le débat sur la question des élites et je passerai en pareil cas à une deuxième question qui pour lier au fait que la dernière sortie du Wali de Bank al-Maghrib à propos des formations politiques, oui, a suscité un grand tollé. Les gens sont, les journalistes engagés se sont plaints du fait que le Wali de Bank al-Maghrib considère que les formations politiques n'en font pas assez. De cette crise de l'intermédiation, est-ce qu'il faut seulement la dénoncer, comme ce qui a été fait, ou n'est-il pas temps de réfléchir, de songer à une réadaptation de l'instrument ? Que sans ces formations politiques? Moi, je crois les deux. Il faut d'abord arrêter de fustiger les partis politiques à tout motif et par n'importe qui. Enfin, personnellement, pas n'importe qui, c'est Wali de Bank al-Maghrib. Non, enfin, justement. Il fait partie aussi de ces élites. Elle est administrative, en pareil cas. Moi, je pense que, concernant la sortie de Wali de Bank al-Maghrib, je pense que la réflexion a le mérite d'être posée. Il a le mérite de poser la question. Mais étant ce qu'il est, étant sur le fauteuil de Walid Bank al-Maghrib, il aurait pu se taire. Ce n'est pas à Walid Bank al-Maghrib de faire le penseur ou le critique des partis politiques. Ça, c'est mon point de vue personnel. Attends, mais les idées qu'il a... On vient de parler de l'implication des élites. C'est un des membres de l'élite qui vient de donner oui, son avis. Mais Bank al-Maghrib, dans le schéma politique marocain, c'est le gardien du temple. Bank al-Maghrib, c'est la banque centrale. Et elle a une autonomie telle
qu'elle doit rester neutre. Et pour ça, ce n'est que pour ça, parce que j'ai beaucoup de respect pour le Walid Mohamed Ghalib en tant que personne. Oui, j'ai aucun problème avec ça. Ma seule critique, c'est qu'il aurait dû quitter son fauteuil de Walid Mohamed Ghalib et être le penseur libre. Il aurait pu dire n'importe quoi, il a raison. D'autant plus que ses idées ne sont pas impertinentes. Elles sont discutables, certes. Dire que les partis doivent, enfin les outils eux-mêmes, qu'ils doivent réadapter, évoluer, personne ne vous dira le contraire. Personne. Mais comment on peut se faire cette... À votre avis, en tant que penseur, en tant que militant politique qui est passé par différentes écoles de pensée, vous connaissez parfaitement vos classiques, réfléchissons, que faire? Comment faire que les formations politiques redeviennent ce qu'elles étaient auparavant? Auparavant, elles suscitaient la mobilisation des masses. Auparavant, les gens voulaient appartenir à ces partis. Maintenant, on a l'impression que les partis sont obligés de supplier les gens pour venir. Ce n'est pas normal. Moi, je crois qu'il y a de l'endogène et de l'exogène. Il y a ce que sont les partis. Ça n'a pas suffisamment évolué. Techniquement, ça n'a pas évolué. Enfin, on a eu pendant un certain moment du populisme un peu partout. Et c'est des facteurs internes au parti. Bon, mais il y a aussi le climat mondial, le climat de pensée, d'action. Il y a eu le printemps arabe, il y a eu ses implications. Le Maroc n'est pas dans une île déserte où il n'y a personne à côté. Non, on est dans un petit village, ne l'oublions pas. Et donc, même nos partis ont subi ça. Il y a une partie du problème qui réside dans les partis. Et il faudrait... Enfin, moi, je pense que s'il y avait plus d'élite dans les partis, oui, plus de démocratie dans les partis, les partis évolueraient dans le sens de l'histoire. J'ai l'impression, je veux avoir cette impression, je veux le croire par amour à mon pays... Je veux bien croire qu'il y a une tendance, parce que cette tendance au populisme, etc., j'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître. Elle ne pourra que disparaître. Mais pour qu'elle disparaisse, il faut que le mouvement des élites vers les partis continue et soit de plus en plus profond. Bien sûr, ce n'est possible que si les partis s'ouvrent à ces élites, économiques, politiques, etc. Et c'est de là que viendra... La démocratie se construit pas à pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que la transition, ça se mesure en années. Ça se mesure en courant d'idées. Plus il y a de démocrates dans le pays, plus il y aura de la démocratie. On ne fera pas de démocratie sans démocrates. On ne fera pas de démocratie avec des populistes. On ne fera pas de démocratie avec des gens qui croient détenir la vérité. La vérité infuse. Voilà, qu'elle soit ultra-libérale, que ce soit en termes de programme économique ou en termes de valeurs. Il faut accepter... La différence. Le début de la démocratie, c'est que tout le monde accepte l'autre. On n'ira nulle part si chacun croit détenir à lui seul la totale vérité, la stricte vérité. Ça ne donnera rien. La démocratie, c'est d'abord accepter la différence, avant les urnes. Avant qu'il y ait des urnes, il faut d'abord qu'on s'accepte mutuellement et qu'on s'accepte avec nos différences. S'accepter, se mettre d'accord. Là, on va rentrer dans un autre sujet, celui du nouveau modèle de développement. Ben, actuellement, il a été élaboré par une commission composée d'une élite, là encore. Et puis, vous, en tant que docteur en gestion, quelqu'un qui a travaillé pendant de longues années dans le secteur privé, vous avez été dans la pratique. Dans le secteur privé, on ne philosophe pas. On travaille pour faire du profit, ce qui est tout à fait légitime. Mais partant de ce fait, c'est une bonne école, dans un sens, parce que partant de ce fait, ce nouveau modèle de développement, d'abord, comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? C'est bien d'avoir une stratégie, une bonne stratégie, mais généralement, une fois que l'on passe dans le champ de l'action, il faut trouver les méthodes, les moyens, les tactiques pour appliquer une stratégie. Mm-hmm.
Ça d'abord, comment on va le faire? Et ensuite, est-ce que ça ne va pas nous poser un problème? Celui du fait que le modèle est consensuel. Si le modèle est consensuel, quelle place cela laisse-t-il au débat politique? Il y a deux questions en une, je suis désolé. Oui. D'abord, à ma lecture des rapports du nouveau modèle de développement, je ne trouve pas un programme politique. Je trouve une vision, une façon de comprendre. Stratégie. Parfois, c'est un peu plus une vision qu'une stratégie. Une stratégie, on passe plus à l'action. Il y a des paragraphes où on a essayé, en donnant des exemples, d'expliquer, de donner plus de détails, de chiffres, etc. Le plus important, d'abord, ce n'est pas ce rapport n'a pas de situation juridique. Ce n'est ni une constitution, ni une pas loi. Pas encore, mais il devrait normalement donner lieu au pacte national. Alors, si pacte il y a, quand il y aura le pacte, on mettra ce qui est consensuel. Ça sera une sorte de vision consensuelle. Sur laquelle tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Enfin, tout le monde serait d'accord. Parce que pour l'instant, c'est d'accord pas... sur le principe. C'est-à-dire qu'ils vont différer au niveau de la mise en œuvre. Donc, si pacte il y a, il y aura des principes, une vision globale. Ce n'est pas un programme politique. Les programmes politiques, on les aura pendant la campagne électorale. Des programmes politiques qui vont s'inspirer de ce nouveau modèle de développement. De ce pacte. Enfin, du pacte, oui, effectivement. Qu'il aura acquis un statut légal. Théoriquement, quand on a signé un pacte, on ne va pas présenter un programme qui contredit le pacte. C'est une évidence. Je veux bien le croire. Mais, disons par exemple, pour ce qui est sociétal, je vais donner un autre exemple. Pour ce qui est sociétal, on a une constitution sur laquelle on est d'accord. Les Marocains ont voté massivement pour. Donc on peut dire que c'est plus que consensuel. Et elle a une valeur juridique. Mais quand vous prenez sur le sociétal, sur les droits de la femme, on est d'accord sur le texte de la Constitution. Ouais, sur les principes. Si on veut le mettre sur un texte législatif, chacun aura, en fonction de ses choix de ses valeurs idéologiques, une façon de comprendre le texte. Et pour moi, le pacte sera aussi ça. Il y aura des principes généraux sur lesquels tout le monde sera d'accord, ou presque tout le monde, et il y aura la compréhension de chacun. Et bien sûr, il y aura une lecture idéologique. Bien sûr, un libéral va lire tout ça avec une lecture libérale. Même si pendant la campagne électorale, il va dire le contraire, dans la pratique quotidienne, quand on aura à mettre en place des mesures... Thank you.